Ça tourne. Action. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir derrière cette porte? Pardon, il y avait une deuxième porte. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir derrière cette porte? Ah, j'ai vu Alexandra dans la foulée, refermer en chaîne. Ok. Pas mal ce truc, franchement. Ah, Qu'est-ce que c'est? Ah, non. Laissez-moi. J'ai pas fait exprès de tomber. Allez, on avance. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est écrit là-dessus? Bah, évidemment, je suis trop petit. Attends, je crois que c'est ce qu'il faut dans mon sac à dos. Attends, on recommence. Et une fois que eux ils sont remis normalement, tu remets un coup de sur le piano et ils se retournent à nouveau. Genre, ah, on a encore peur. Le truc, c'est que je vois rien. Deux fois. Bah, je te dirai top. Ouais. À chaque fois, je te dis top, tu. Oui, de toute façon, il n'y a pas de son. Ça marche. Et vous attendez qu'elle l'ait fait pour vous retourner. Ok. Bah, sinon, tu nous dis retour. Bah, nous, on le voit pas. Dis-le-nous. Ok. Ok. Allez. Ça tombe dans la foulée. Top. Ah non, bien, pardon. Non. C'est top pour elle, pas pour nous. Fais top et je vais faire deux tops d'affilée, d'accord? Le deuxième, c'est pour vous. Ok. Et ça tourne. Top. 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 Il y a trop de top. On aime plus. Il y a trop de top, c'est le même pour quoi. Comme vous voulez. Ah pardon, je suis parti trop loin. On reprend dans la foulée. Bon, on voit pas du tout Guillaume qui va se piquer. Mais on... Action. Alors, par contre, juste taper. Ah oui, pardon. Parce qu'en fait, vous faites tout trembler, y compris la caméra, c'est censé être une caméra oui, suspendue, elle tremble, c'est vrai. C'est ridicule. Okay, on bouge pas nos pieds, quoi. Ouais. Quand vous voulez. Trois petits chats, chat, chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, paille, paillasson, 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 son, somnambule, bulletin, bulletin. Un petit making-of qui vous montre que le montage, c'est important. Ouais, je sais pas vous, mais nous, on a bien rigolé ici. Voilà, on était bien mort de rire, en tout cas, de notre côté. Ludivine chante trois petits chats, je vais faire un petit tour sur le chat. Hein. Sinon, nous avons Mathilde Imp qui nous a rejoint, ainsi que Marie-Claude Petit. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, du coup, cette vidéo, Thomas. Eh bien, cette vidéo, c'est ça, on va parler un peu d'Aix sur Vex, ou plutôt, on explore un théâtre abandonné. Vidéo qui est sortie le 31 octobre. On a voulu faire un truc un peu... Effrayant, oui. Voilà. Et donc, est-ce qu'elle a marché cette vidéo, Gaëtan? Est-ce qu'elle a marché cette vidéo? Elle a été vue 101 fois. Voilà, ce qui est voilà. Déjà bien. En sachant que ce qui était intéressant sur cette vidéo, c'est que c'est vrai que la plupart des vidéos, c'est plutôt moi qui ai tendance à les écrire. Et là, en fait, pour le coup, c'est toi, donc c'est Gaëtan et Alexandra qui l'ont écrite. Mm-hmm. Et moi, je suis pour le coup vraiment intervenu sur la mise en image, c'est-à-dire traduire ce que vous avez écrit. En angle de caméra, en comment on allait faire, en organisation vraiment sur ce qu'on a vu à l'image et le montage, puisque c'est important, comme vous avez pu le voir. Et c'était très intéressant, d'autant plus qu'en fait, c'était au moment où on pouvait plus ou moins retourner à la salle avec le masque. Avec le masque, d'où de toute façon le fait que... Et du coup, on pouvait physiquement se refaire quelque chose. Mais parce que l'urbex, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est du coup l'exploration de lieux abandonnés. Mmh. Et du coup, peut-être qu'on peut en profiter pour lancer d'autres vidéos qui surfent. Sur des thématiques populaires. Je pensais que tu allais faire d'autres vidéos d'urbex. Ah non, moi je pensais... Non, des vidéos populaires comme des interviews de présidents ou des choses comme ça.
comme le président, comme des tutos beauté, je sais pas. Ah, je me dis que beauté. Peut-être que à deux vous pourriez nous faire là devant votre webcam un petit tuto à l'occasion. Mais oui. Si vous avez des idées dans le chat de vidéo, allez-y, hein, des trucs populaires. Hein. Parce que moi l'internet et le YouTube tout ça je connais pas trop, donc c'est vrai que je sais pas. Le YouTube. Je pense voilà. Que ce que Vincent voulait dire c'est qu'il voulait maintenant un tuto beauté. Voilà, que vous fassiez un tuto beauté. Si vous voulez, j'ai un petit truc de maquillage là. Oui, dispo, oui, oui. On a un programme bien défini. Oh, voilà, c'est ça. Mais parce que pour le prochain live. On va prendre du retard. Ben voilà. Ça pourrait être pas mal, un petit tuto beauté. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Est-ce que vous voulez un petit tuto beauté pour la prochaine fois? Voilà. On va attendre que ça réponde, hein, parce qu'il y a un petit décalage. Oui. A few moments later. Alors, je reprends le chat. Oui, alors, Ludivine, un tuto beauté, ok. Ok, et la famille Lebrun aussi, et Guillaume dit oui si c'est Thomas qui est maquillé. Bah mais alors, si vous voulez voir une vidéo de Thomas maquillé, dans les premières vidéos, vous avez... Ah oui, c'est vrai. Les premières vidéos de la chaîne, me semble-t-il. Vidéo maker. Voilà, oui. Et là c'est moi qui ai maquillé Thomas, donc voilà. C'est toi qui m'avais maquillé, je C'est moi qui t'avais maquillé, et voilà, donc vous aurez Thomas maquillé, et vous aurez Vincent à 16 ans. Alors, donc c'est un souvenir. L'anecdote quand même, c'est que initialement c'était pas moi qui était censé faire le mannequin. C'était la jolie fille. Et en fait, le principe c'est ça, c'est que c'était cette vidéo, je sais pas si vous voyez laquelle c'est Vincent et Guillaume qui font... Non, c'est moi qui arrive et qui fait hey, on va faire des vidéos, et Vincent et Guillaume sont là, mais pourquoi vous voulez faire des vidéos, c'est nul, c'est rien. Mais si, on peut faire des effets spéciaux, on peut faire plein de choses. Et à un moment c'était, ouais, on peut faire apparaître des jolies filles. Et là, je voulais faire apparaître... une fille pas forcément jolie, enfin voilà quoi. Et du coup, j'ai quand même lancé un casting. Voilà. En disant... Cherche fille pas jolie. Cherche fille moche. Enfin, c'était ça, c'était cash, c'était... Le rôle, c'était fille moche. Voilà. Et j'avais mis un truc genre, même si vous n'êtes pas moche... On s'arrangera. Et personne n'a voulu venir. Personne n'a voulu, donc j'ai donné de ma personne et je faisais mais je pense que ça aurait pas été pareil, la vidéo n'aurait pas été aussi bien si t'avais pas fait la fille moche. Après voilà, il y a quand même énormément de filles à Bartholo, mais il n'y a que des belles filles. Exactement. Donc voilà. Les moches, rejoignez-nous.